Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite séance de gym douce. Donc, on va faire principalement sur chaise et sur tapis au sol. Voilà. Donc, tranquille, gym douce, vraiment tranquille. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, parce qu'on va essayer de travailler au maximum les muscles profonds. Donc, ça va quand même travailler malgré tout. D'accord? Alors, je vous invite à prendre une petite chaise. Le tapis pas loin, bien sûr, votre bouteille d'eau. Allez, premier exercice, on va s'asseoir. Donc, toujours pareil, quand je m'assois en mode sport, je ne mets pas au fond de ma chaise en mode décontracté, d'accord? Donc, je vais sur le bord de la chaise, mais pas sur le bord pour ne pas glisser, d'accord? Je me mets au bord de la chaise. Avec quand même, vous voyez, moi j'ai une bonne partie de ma fesse et début des cuisses. Ok? Et toujours pareil, je m'auto-grandis au maximum. Donc je ne m'affaisse pas ni au niveau des épaules, ni je m'enroule au niveau du bas du dos. Hop, je me grandis, je mets de l'espace entre mes côtes et mon bassin. Et là, dans un premier temps, je vais relâcher mes bras, simplement, fermer les yeux. Et juste des petits exercices de respiration. Je ferme les yeux, je me concentre sur, vous vous concentrez sur vous. Et simplement, j'inspire en ouvrant grand les narines et en laissant mon ventre s'épanouir. Et je souffle en rentrant le ventre et en remontant un petit peu le muscle sur les côtes. J'engage pas mon périnée là. D'accord? Ni mes abdos. Simplement, j'inspire en ouvrant mon périnée. En laissant s'épanouir mon ventre et je souffle en rentrant mon ventre. Dans le même temps, donc je suis toujours auto-grandie, j'ai les épaules le plus bas possible, je laisse pendre mes bras sur le côté. J'inspire, je souffle tranquillement. Et là, je vais essayer de relâcher tous les muscles qui sont autour de mes yeux. Je vais relâcher mon front aussi. Je vais relâcher mes joues et je vais relâcher ma mâchoire. Je vais faire en sorte que ma langue soit en bas, pas collée au palais, mais qu'elle soit plus sur la mâchoire du bas. Alors, quand je vous dis de relâcher la mâchoire, c'est pas d'ouvrir, hein. On fait pas le bout dans les flexables, là. C'est simplement, je relâche la mâchoire, donc je décolle mes dents les unes des autres. D'accord? Et là, simplement, sur une dizaine de mouvements respiratoires, j'inspire et je souffle tranquillement. Donc là, je vais arrêter de parler et je vous laisse apprécier le moment. Gardez les yeux fermés, vous gardez cette espèce d'état de relâchement. Et là, simplement, je vais inspirer sur trois temps, bloquer sur trois temps et souffler sur trois temps. Et à nouveau, bloquer. Donc, j'inspire, j'emplis mon corps d'air, j'inspire. 1, 2, 3, je bloque. 1, 2, 3, je souffle tout doucement, toujours pareil, en rentrant mon ventre et en remontant mon nombril. 2, 3, je bloque sans air. 2, 3, j'inspire. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2, 3, je souffle. 1, 2, 3, on bloque, pardon. 1,
2, 3, on inspire. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2, 3, je souffle. 1, 2. Si bien sûr sur 3 temps c'est trop dur, on bloque, pardon. Si sur 3 temps c'est trop dur, vous ne faites que sur 2 par exemple. Hein. À nouveau, j'inspire. 1, 2, 3, je bloque. 1, 2, 3, je souffle. 1, 2, 3, je bloque. Ok, on reprend ça, respiration à soi, tranquillement, sur 4-5 mouvements respiratoires. Et là, je vais réouvrir mes yeux. Ok. Donc, dans cette position, on va essayer de faire un petit check-up. Toujours en inspirant et en soufflant. Donc, j'ai mes deux pieds au sol, donc je vois si mes deux pieds sont ça ou pas trop. S'il y a des petites douleurs dans les chevilles, dans les pieds, dans la voûte plantaire, on voit. On essaye de rectifier la position. Là, les deux genoux sont parallèles, donc je remonte tranquillement jusqu'au genou. Pareil, est-ce que mes genoux vont bien? Est-ce que c'est un petit peu douloureux ce matin ou est-ce que ça va? Je remonte jusqu'aux hanches. Est-ce que mes hanches vont bien? Est-ce que je suis bien positionnée? Est-ce que je ne suis pas sur un côté ou sur l'autre? Et on va remonter le long de la colonne. Hop, est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a des petites douleurs qui nous chagrinent un petit peu? On remonte jusqu'à la nuque. On étire la nuque au maximum. Et on relâche. Là, dans un premier temps, j'inspire. En soufflant, je vais pivoter légèrement ma tête de façon à monter mon oreille. Donc, je pivote ma tête sur le... Enfin, je penche ma tête sur le côté droit, mais toujours en étirant vers le haut. D'accord ? C'est pas comme ça. C'est j'étire ma tête vers le haut et je penche légèrement sur le côté. Je monte comme quand on est des passages à l'école, comme si on vous tirait les oreilles. D'accord ? Donc, je ne me laissais pas faire, je montais aussi la tête. Hop, j'inspire. En soufflant tout doucement, je vais faire un arc de cercle par l'avant, tout doucement, vraiment tout doucement. Et sur l'inspiration, je vais être de l'autre côté. Toujours pareil, j'étire vers le haut, on me tire les oreilles. J'étire vers le haut, mon oreille pointe vers le plafond. Et en soufflant à nouveau, hop, je repasse vers l'avant. J'inspire, toujours pareil, on tire l'oreille, en soufflant. On essaye de souffler avec la bouche légèrement ouverte et pas pincée. On a la bouche ouverte. On inspire, en soufflant, on refait encore une fois de chaque côté. Bien sûr, si c'est douloureux au niveau des cervicales, on ne le fait pas, d'accord ? On revient sur le côté, on inspire, et en soufflant cette fois-ci, je vais repasser par l'avant, mais je vais rester sur l'avant. Donc là, je fais comme si on voulait me tirer la tête vers l'avant, je garde mes épaules basses, je garde mon dos bien étiré, et je reste. Et je vais essayer de baisser un peu plus mes épaules, comme si mes omoplates voulaient aller se mettre dans mes poches arrière de pantalon. Toujours pareil, j'inspire en ouvrant grand les narines, en laissant mon ventre s'épanouir, je souffle en rentrant mon ventre et en remontant un peu mon pouce sur les têtes. Et tout doucement, vraiment tout doucement, et en soufflant, je vais redresser ma tête. Tranquillement, hop, voilà. Donc là, je fais le point, est-ce que j'ai des petits vertiges, est-ce que tout va bien? Toujours au niveau de la tête. On va inspirer, en soufflant, je vais aller, hop, tourner la tête sur un côté. Mes yeux suivent le mouvement et mes yeux continuent le mouvement. C'est-à-dire que si ma tête regarde là, mes yeux regardent un peu plus loin derrière. D'accord ? On fait aussi la gymnastique des yeux. En inspirant, je reviens tout doucement au centre. Et en soufflant à nouveau, je pivote la tête et mes yeux continuent à pivoter un petit peu plus loin. J'inspire, je reviens d'abord avec les yeux, puis avec la tête. On recommence une deuxième fois. Hop, j'essaye d'aller un tout petit peu plus loin. Ah, je ne pivote pas. C'est juste ma tête qui pivote. Mes yeux essayent d'aller un petit peu plus loin. Sur l'inspiration, je reviens doucement. Et en soufflant, je vais de l'autre côté. Hop. Et je reviens.
Super. Toujours au niveau du cou, on va placer ses deux mains, on va croiser ses deux mains. Alors bien sûr, si j'ai mal aux épaules, celui-là, vous ne pourrez peut-être pas le faire. D'accord ? Si vous pouvez, alors si vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez mal aux épaules et que vous avez une espèce d'écharpe ou un tissu, vous allez mettre le tissu sur votre tête en mode foulard et vous allez attraper et vous allez tirer légèrement. Hein. On tire légèrement sur les. Je ne sais pas comment on tire rien. J'ai toujours une écharpe, j'ai oublié. Donc, si vous n'avez pas mal au dos, aux épaules, pardon, vous croisez vos mains, vous mettez les mains au-dessus de la tête et simplement, j'inspire, je ne fais rien, en soufflant, je baisse les épaules. Donc, je mets un petit peu de poids sur ma tête et ma nuque doit résister, d'accord? Si j'ai mal aux épaules, je mets un espèce de foulard sur ma tête, comme ça je le tiens sans tirer sur mes épaules. J'inspire et en soufflant, pareil, je descends mes épaules, donc ça met un petit peu de poids sur ma tête et ma nuque résiste. Alors quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu, hein. C'est le tout, on y va tranquille. Ok ? J'inspire, je relâche la pression, en soufflant, à nouveau, j'essaye de descendre un petit peu mes épaules, je mets un tout petit peu de poids sur ma tête. On inspire, on relâche. Contracte le périnée. Alors là, je contracte le périnée. Pour contracter le périnée, je retiens une envie d'uriner, une envie de faire un gaz. Je serre tout, le sphincter. Ça engage la partie basse de mes abdos. Et en soufflant, j'engage tout le reste. D'accord ? Donc j'inspire, je ne fais rien. Et en soufflant, on descend les épaules. On étire toujours son dos au maximum. Et on relâche. Super. Ça va? Ça fait du bien, ça renforce un petit peu le cou. Et comme c'est un endroit où on ne fait pas trop d'exercice, il faut vraiment y aller doucement. Hein. Ça, le but, ce n'est pas de le coulage, hein. C'est juste de renforcer un petit peu. Ok? Allez, on va passer au bras. On inspire en soufflant, toujours pareil. Je contracte le périnée, je souffle, je rentre le ventre et je remonte le ventre sous les côtes. J'inspire, je relâche, on reprend les narines, je laisse mon ventre s'épanouir. Contracte le périnée, je s'ouvre et en soufflant, je vais monter mes bras. Alors, pas plus haut que les épaules, d'accord? Sans monter mes épaules, ok? Mes épaules restent basses. J'inspire, je relâche. Bien sûr, si j'ai mal aux épaules et que je n'ai pas une grande amplitude, eh bien, je vais au maximum de ce que je peux faire, ok? Inspire, on s'ouvre. Inspire, contracte le périnée, je souffle, je monte, sans monter mes épaules. Inspire, on souffle. J'ai toujours le dos bien étiré. Hein. Mon dos, il est toujours bien droit, hein. Je ne suis pas en mode relâche. Hein. Inspire, en soufflant. Vous voyez, j'ai la bouche légèrement ouverte et mes lèvres ne sont pas pincées pour souffler. Je souffle par l'arrière-gorge, comme si je voulais faire de la buée sur ma bite pour faire un dessin ou l'essuyer. Inspire. Au prochain, si je peux, si mes épaules le permettent, j'inspire. En soufflant, j'essaye d'aller un tout petit peu plus haut, mais pas beaucoup plus haut. Voilà, je ne dépasse pas ma tête. J'inspire, je reviens. Contracte le périnée, je souffle. Je rentre le ventre. Inspire, tu reviens. Contracte le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on remonte le nombril sous les côtes. Inspire. Très bien. Allez, encore deux. Et dernier. Et on relâche. Super. On met les coudes contre le buste, on tourne les paumes de main vers l'avant. Et là, simplement, je viens toucher l'épaule droite, enfin l'épaule opposée en fait. Hop, et hop. J'inspire, je souffle. Inspire, inspire. Voilà, très bien. Tranquillement, toujours le dos bien étiré, ça c'est le plus important. On continue. Continuez, continuez. Voilà, super.
Et on va faire les deux bras en même temps. Toujours en croisant, j'inspire. Ok. Voilà, très bien. Et si je peux, tout en gardant mon dos bien droit, je mets une petite pression, comme si je voulais m'appuyer. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit douloureux. Je mets une petite pression. En mettant la petite pression, j'engage un peu plus les abdos. J'ai toujours le dos bien étiré, j'ai toujours la même distance entre mes côtes et mon bassin. Inspire, on souffle, on monte et on met une petite pression. En baissant les épaules toujours. On inspire. Là, vous devez sentir ça travaille ici, ici, les bras, bien sûr, et les abdos. Ok, encore deux fois. Dernière fois. Ok, super. Là, tout doucement, j'inspire. En soufflant, je vais monter mes bras parallèlement devant, vers l'avant. D'accord? Toujours pareil, pas plus haut que les épaules. J'inspire, je redescends. Contracte le périnée, je souffle, je monte. Inspire et on souffle. Inspire et on souffle. Toujours pareil, je sens que mon ventre s'engage. Hein. On contracte le périnée, je retiens l'envie d'uriner ou de gazer, je rentre, on rentre en soufflant. Bien sûr, si j'ai mal aux épaules, ben, je vais au maximum de ce que je peux faire. Donc, si mon maximum, ben, c'est ici, ben, c'est ici. Voilà, on ne va pas plus loin, on se fait pas mal. Okay? Mais si je peux, je vais un tout petit peu plus haut. D'accord? Au niveau des épaules. On reste dans l'axe, malgré tout. Ensuite, on va rester en haut. On va tourner les paumes de main vers le sol. Donc, j'ai les épaules basses, hein, je n'ai pas les épaules ici, les épaules sont basses. Et simplement, je vais faire des tout petits battements de haut en bas. Donc, j'inspire, j'en fais trois. Je souffle, j'en fais trois autres. On inspire et on souffle. Si vous en faites que deux, vous en faites que deux. Hein, on va pas... C'est juste que je ne fais pas un mouvement et j'inspire, je souffle parce que vous allez être en hyperventilation. Donc, j'inspire, j'en fais plusieurs mouvements. Je souffle, je fais plusieurs mouvements. Voilà, super. On va faire la même chose, mais en tournant les paumes de main vers le plafond. Hop, je monte, je descends. Donc, vous, si vous sentez bien votre corps, vous sentez que ce n'est pas tout à fait les mêmes parties de vos bras, de vos épaules qui travaillent. Voilà. Allez, encore deux. Un. Et on relâche. Ça va les épaules? On va faire tourner les épaules vers l'arrière. D'accord? Donc, j'amène les épaules vers l'avant, je tourne vers l'arrière. On amène vers l'avant et on amène vers l'arrière. On souffle et on inspire. On souffle. Et on inspire. Voilà. Vous devez sentir les omoplates qui bougent. Hein. Là, ils s'éloignent. Là, ils se rapprochent. Ok? Là, ils s'éloignent. Là, ils se rapprochent. Allez. On va faire dans l'autre sens maintenant. Je vais d'abord en arrière et je ramène vers l'avant. Vers l'arrière, puis vers l'avant. On a toujours le dos bien étiré. Je reste dans la main, bien sûr. Je respire, je respire, je respire. C'est le plus important. Allez, encore deux fois. Et on relâche. Alors, là, dans le prochain exercice, je vais vous positionner. Donc, j'ai toujours le dos bien droit. Je vais positionner mes mains sur mes fesses. D'accord? Je tends mes bras, mais sans complètement les tendre. D'accord? Je reste légèrement fléchie au niveau j'ai les épaules légèrement en arrière. Mon dos est toujours droit. J'inspire. En soufflant, je décolle une jambe. Je ne rétrécis pas pour autant l'espace qu'il y a entre mes côtes et mon bassin. C'est-à-dire que je ne me plie pas pour avoir l'impression que ça va plus haut. On s'en fout. Hein. Là, le but, ce n'est pas d'aller haut, c'est juste de décoller. Inspire, contracte le périnée, je souffle, hop, je décolle. Vous avez vu, je ne décolle pas de 3 mètres. Hein. Inspire, on souffle. Inspire, on souffle. Inspire, je souffle. Inspire, on souffle. Allez, encore une fois de chaque côté. On souffle. Pardon, j'ai mal là. Et on relâche. Là, simplement, je vais monter une jambe, peu importe laquelle, et là, je vais tendre. Alors, je décale un petit peu ma jambe. Je tends et je plie. Voilà.
Hop. J'inspire, je tends, je souffle, je plie, je fléchis mon pied. Si c'est trop dur, vous pouvez le faire au sol. D'accord? C'est vous qui voyez comment vous êtes à l'aise. Si c'est plus pratique pour vous de le faire au sol, j'écarte ma jambe pour que vous voyez bien. Je pointe et j'étalonne au sol. D'accord? Si je peux, là, ça fait tout travailler. On fait comme ça. Allez, encore deux fois. Et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. J'inspire en soufflant. Hop, je décolle mon pied, je décale légèrement. Et je tends en inspirant, je souffle en ramenant. J'ai toujours le dos bien étiré, hein. Je ne suis pas affalée. J'ai toujours le même espace entre mes côtés de mon bassin. On inspire, on souffle. On le fait doucement au rythme de la respiration. Toujours pareil, si c'est trop dur ou même si vous fatiguez au bout d'un moment, hop, on le fait au sol. Pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ok. Encore deux fois. Et on relâche. Là, simplement, je vais tendre mon pied et je le ramène. Hop, je tends et je ramène. Donc, si vous voulez, vous pouvez même faire glisser. Par contre, vous tendez votre jambe au maximum. Ok? Vous voulez attraper un petit crayon là, qui s'est glissé loin. Hop, on fait glisser, on essaye de l'attraper. Simplement, je tends et je ramène. Tout simplement. Voilà, tranquillement. Allez, encore une fois de chaque côté après celui-là. Je tends et je ramène. Ok. Là, pour le prochain, on va ouvrir et ramener. J'ouvre et je ramène. On ouvre et on ramène. On ouvre. En inspirant, je souffle, je ramène. J'ai toujours le dos bien étiré. Inspire et tu souffles. Allez, encore deux. Et on revient. On fait pareil de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je ramène. On inspire, on souffle. Super. Encore deux. Et dernier, on relâche. On va poser les mains à côté des fesses. Et on va faire comme si on voulait se lever. Donc, on ne met pas forcément de la pression, d'accord? C'est simplement, je vais engager mes fesses, mes jambes, comme si je voulais me lever, d'accord? J'inspire, donc je me relâche, contracte le périnée, je souffle. Je fais comme si je voulais me lever, mais sans les mains. Hop, voilà, c'est comme si je voulais... Donc, vous engagez, là, vous pouvez sentir les fesses qui travaillent, les jambes, les cuisses qui sont engagées, bien sûr, les abdos. J'inspire, je relâche. Contracte le périnée, je souffle, hop, je veux me redresser. Mais ça marche pas. On inspire, contracte le périnée, je souffle, hop, je veux me redresser, je veux me soulever de cette chaise. Hop, 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 hop. On sent tout qui, on sent même le bas du dos, hein, qui s'engage. On inspire, on relâche. Contracte le périnée, on souffle. Allez, encore. Là, c'est en train de contracter. Là aussi, hein. Tout est en train de travailler. Et bien sûr, l'ancrage des pieds est très important. Donc, les pieds sont bien ancrés dans le sol et à plat. Pourquoi il s'est arrêté, cette image? Allez, encore deux fois. J'inspire. Contracte le périnée, je souffle. Hop, je veux me décoller de cette chaise, mais malheureusement, je me suis accrochée. On relâche, inspire, contracte le périnée, je souffle, hop. Super. Très bien. Ok, sur le prochain exercice, on a toujours le dos bien étiré. J'inspire, en soufflant, je décolle une jambe et je vais tendre devant. J'inspire et je souffle, je ramène. J'inspire, en soufflant. J'inspire, je ramène. J'inspire. C'est toujours la même, hein. Inspire. Alors, je fais rien. Souffle. En soufflant, je monte la jambe et je la tends. En inspirant, je replie la jambe et je la repose. Allez, on fait encore 5 fois. Inspire. Souffle.
Inspire. Vous avez vu que je ne suis pas à 3 mètres du sol, hein. C'est un tout petit peu. Hop, je décolle un petit peu. Et je ramène plus que deux fois. Inspire. Et tu ramènes. S'ouvre. C'est la dernière. On va rester tendu si on peut. Et si je peux, je fais aussi des tout petits battements. Allez, on en fait 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire et je repose. Vous avez le droit de vous masquer. Là, si vous avez bien travaillé, hein, ça, vous devez le sentir. Hein. OK? Si toutefois, c'est trop dur, n'hésitez pas. On tend la jambe. D'accord? On essaye de la décoller un petit peu et on la ramène. Tout simple. OK? Si le fait de lever la jambe vous ne pouvez pas, vous faites glisser et vous décollez un tout petit peu. OK? Allez, on reprend, mais avec l'autre jambe cette fois-ci. J'inspire. En soufflant, je décolle et je tends. Inspire. Inspire. Contracte, je souffle, je décolle, je tends. Inspire. Inspire. On souffle. Toujours pareil, en soufflant, avant de souffler, je contracte le périnée, je retiens une envie d'uriner ou de gazer, je souffle, je rentre mon ventre et je remonte le nombril sous mes côtes. Allez, plus que 5. Inspire. Allez, les deux derniers. Vous avez vu, je décolle pas beaucoup. Hein. Et le dernier, je reste tendu et je fais 5 petits battements. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ça va? OK. Alors, on va combiner un petit peu. On va combiner et en plus, on va faire la coordination. Donc, on est toujours bien. N'hésitez pas à avoir, j'ai oublié de vous dire ça, n'hésitez pas à avoir quelques petites gorgées de temps en temps. Hein. La bouteille doit être à côté de vous, pas loin. Vous buvez quand vous en ressentez besoin. D'accord? Là, vous êtes chez vous, vous pouvez aller aux toilettes assez facilement, donc ne vous retenez pas de boire. Donc, on est toujours le dos bien étiré. D'accord? On a toujours le même espace entre les côtes et bassin. Donc, dans un premier temps, je vais inspirer en soufflant. Je vais juste décoller ma jambe, d'accord, du sol. Vous voyez, je suis plus au sol. Et je vais monter le bras opposé sur le côté. En inspirant, je repose tout. Et l'expiration suivante, hop, je décolle l'autre jambe et je monte le bras sur le côté. Toujours pareil, en fonction de votre aisance articulaire. Et là, pareil. Si c'est pas possible de lever la jambe, eh bien vous levez la pointe de pied. D'accord? Vous levez juste la pointe de pied. OK? Donc, j'inspire, contracte le périnée, je souffle, je monte cette jambe, je monte le bras sur le côté. D'accord? Pas plus haut que les épaules. J'inspire, et en soufflant, mon dos ne bouge pas. J'inspire. Voilà, super. Donc là, on fait marcher la coordination parce que les jambes vont dans un sens, les bras vont dans l'autre et en plus, c'est à l'opposé. Toujours pareil, je garde les coudes bien basses. OK, encore. Allez, encore deux fois de chaque côté. Dernière fois de chaque côté. Et on relâche. OK. Là, on va tendre les bras. Alors, le plus haut que je peux, en fonction de vous. Hein, mais pas plus haut que les épaules. Pareil toujours, je ne monte pas mes épaules. Les épaules restent en bas. Je tends et je vais faire simplement des petits cercles. Et en même temps, je vais tendre une jambe, puis l'autre. J'inspire en soufflant. OK? Donc, je la tends, mais pas très haut. Je fais mes petits cercles. Je tends la jambe, mais pas très haut. OK? Toujours le dos bien étiré. Toujours, je contracte le périnée, je souffle, je rentre le ventre avant de tendre ma jambe.
Et on va changer de sens. Hop. Allez, on change de sens. Et on va changer les jambes, c'est-à-dire je vais tendre mais le pied fléchit. Toujours j'inspire, contracte le périnée, je souffle, je tends la jambe. Ça doit commencer à vous chauffer un petit peu dans les épaules. Hein. Et on relâche. Ça va tout le monde? Alors, on va se remettre, coude contre le buste, paume de main vers l'avant. J'inspire et en soufflant, je vais monter mes mains à 90 degrés, mais faire comme si je tirais quelque chose, comme si quelque chose était accroché à mes mains. Je tirais quelque chose de lourd, d'accord? Vous engagez vos muscles en imaginant que vous avez quelque chose de lourd dans les mains. Inspire, contracte le périnée, je souffle. Voilà. Si vous le faites sans engager, ça va faire travailler vos muscles, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va les faire moins travailler. Mais si vous imaginez que vous avez quelque chose de lourd, vous allez sentir même le triceps qui s'engage un peu plus. On inspire en soufflant. Voilà. Vos abdos s'engagent un peu plus. On inspire, on relâche. Contractez le périnée, je souffle. Comme si j'avais des sangles qui m'a mis les bras en arrière, d'accord? Et moi, je vais les ramener. On inspire et on souffle. Voilà. Encore. Encore trois fois. Deux. Et le dernier. Et on relâche. Toujours pour faire travailler les bras, vous allez ouvrir vos épaules, tendre vos bras vers l'arrière. Donc là, je vous demande de l'étendre complètement. D'accord? Sauf si, bien sûr, vous avez les bras hyper laxés et que, du coup, votre coude, au lieu d'être ici, il est là. D'accord? Que vous soyez complètement relaxé. Moi, je veux que vos bras soient droits. Donc, si vous êtes hyper lax, vous ne tendez pas complètement. OK? On tend les bras vers l'air. Donc, j'ai les épaules en ouverture. J'ai les bras au niveau de mon dossier. J'ai toujours le dos bien étiré. J'essaie toujours agrandi au maximum. J'inspire, contracte le périnée, je souffle et j'essaye d'appuyer sur ce dossier. On essaye de rapprocher les omoplates et de pousser sur le dossier. Théoriquement, si vous êtes bien positionné, vous ne poussez rien du tout. D'accord? Parce que, vu la position où on est, on ne peut pas rapprocher les bras. Mais, simplement, vous essayez. Dans l'état d'esprit, on fait comme si. On inspire, contracte le périnée, je souffle et hop, j'essaye de mettre une pression sur ce dossier. On inspire, on relâche. Contractez le périnée, je souffle. Hop, j'ai toujours le dos bien étiré, le regard est loin devant. Le menton légèrement rentré pour bien étirer la nuque. Inspire, on souffle. Encore deux fois. J'inspire, je relâche. Je souffle. Inspire. Et on souffle. Ok, on relâche. Si vous avez bien travaillé, vous le sentez ici, hein, sous le bras au niveau du triceps. Hein. C'est cette partie-là qui a bien travaillé. On repasse. On est toujours bien étiré. On va mettre les deux mains l'une contre l'autre, les deux pouces l'un contre l'autre, les pouces au niveau du sternum. Voilà, j'ai les épaules bien basses, j'ai toujours mon corps de raide, d'accord? Je suis étirée au maximum. J'inspire en soufflant. Je vais souffler d'abord et je vais amener une légère rotation des épaules. Ma tête reste au-dessus de mes mains. C'est-à-dire que ma tête, elle n'est pas ici alors que mes mains sont ici. D'accord? Ma tête reste au-dessus de mes mains. Le but, c'est pas d'aller loin, c'est juste d'être en torsion. On inspire tranquillement. Contracte le périnée, je souffle. Je tords légèrement. Si vous sentez la moindre douleur dans le dos, vous arrêtez, ou ailleurs, vous arrêtez. Inspire, on souffle. Ça ne doit absolument provoquer aucune douleur. Inspire, on souffle. Après, comme je vous l'ai déjà expliqué, des fois vous dites que vous avez mal,
Mais c'est juste que vous sentez que le muscle travaille. Quand je parle de douleur, c'est de douleur anormale. Donc, c'est pas le muscle qui, vous sentez qu'il y a un truc qui se passe au niveau du muscle, mais que c'est vraiment une douleur. Il y a des différences dans les douleurs. Inspire, on vous fera un cours un jour. Et on souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire et je souffle. Dernière fois, j'inspire, j'en viens et je souffle. Ok. Ça va pour vous? Ok. Alors, prochain exercice, on va essayer. Alors, si vous pouvez l'idéal, c'est de mettre votre cheville sur votre genou. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez au moins croiser un petit peu les jambes. On va faire comme ça, d'accord? Si vous pouvez, on met le genou comme ça en ouverture. Et simplement, je mets une toute petite pression, vraiment léger, hein? Léger, toute petite. Et si je ne peux pas, vous essayez de baisser un peu plus la jambe. Et pareil, on essaye de mettre une toute petite pression, mais vraiment, pas pour rien. On inspire et on souffle. Et on essaye de se grandir au maximum. On inspire, on relâche, souffle. On inspire, on relâche, et on souffle. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté, donc si je peux, je mets ma cheville sur le genou. Si je ne peux pas, j'essaye au moins de croiser les jambes. Et je mets une toute petite pression, d'accord? Toujours le dos bien étiré, c'est le plus important. Inspire et on souffle. Ok. Encore deux fois. Et on relâche. Ok, prochain exercice. Donc, j'ai toujours mon dos bien droit, ça c'est le plus important. Donc, je vais venir me pencher en avant et m'appuyer sur ma main. Donc, je fais attention de ne pas me décaler. J'essaye de rester le plus droit possible. Donc, je tiens la main sur ma main, ça craint rien. Avec l'autre main, donc je vais faire un molette. Donc, je suis de face. Je suis en appui sur mon bras, d'accord? Je ne suis pas décalée, je ne suis pas tournée. Mes épaules sont toujours parallèles, d'accord? Au sol. Je suis en appui comme ça et simplement, donc je regarde le sol à peu près entre mes pieds, voire un tout petit peu à l'avant. J'étire le cou, mon dos est bien étiré. Donc là, simplement, dans un premier temps, je vais inspirer, contracter mon périnée, souffler en rentrant mon ventre. Vous devez sentir qu'il se passe quelque chose. Hein. J'inspire, je laisse mon ventre s'épanouir, contracte le périnée, je souffle, je rentre mon ventre, je remonte le ventre sous les côtes. On inspire. Là, dans un premier temps, vous pouvez même mettre les deux bras. On inspire. Et quand vous rentrez votre ventre, vous essayez d'étirer votre dos un peu plus. Comme si quelqu'un vous tire la tête vers l'avant, comme ça. Donc, mon regard est porté à l'avant des pieds, mais un petit peu. D'accord, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Hop, j'ai la tête bien étirée. Et là, dans un second temps, une fois que j'ai bien pris la respiration, donc j'inspire, contracte le périnée, donc je lâche mon bras. J'inspire, contracte le périnée, je souffle. Je vais décoller mon bras et la mettre à côté de mes joues. Si je peux, bien sûr. Si je ne peux pas, je la mène là où je peux. Mon épaule le permet. D'accord? J'essaie de garder mes côtes basses. D'accord? Je n'ai pas étiré mon épaule comme ça. J'inspire et en soufflant. On inspire. Contracte le périnée, je souffle. Inspire. Contracte le périnée, je souffle. Toujours dos bien étiré. Inspire. Inspire. Ok, encore deux fois. Et je reste. Là, je reste. Et on étire, le dos. À chaque fois que je souffle, j'essaye d'étirer le dos et d'aller un tout petit peu plus loin. On étire. Là, je sens mes cuisses qui s'engagent, je sens mes fesses, je sens le dos. Par le bras, bien sûr. Et on relâche tranquillement. On se remet les deux bras sur les jambes.
Et je reprends les 10 exercices de respiration. Donc, j'inspire, je laisse mon ventre s'épanouir. Contracte le périnée jusqu'où, je rentre, je remonte le nombril sous les côtes. On inspire en soufflant. Voilà. J'inspire, je laisse mon ventre s'épanouir. Contracte le périnée jusqu'où, je rentre le ventre. Là, vous le sentez, hein, dans cette position, vous le sentez bien normalement. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je relâche mon autre bras, celui qui était en appui tout à l'heure. J'ai toujours les épaules bien parallèles. Je regarde, j'ai toujours la nuque dans le prolongement de ma colonne. Je regarde toujours en avant de mes chaussures, mais pas trop. À peu près à 10-15 cm devant mes chaussures. J'inspire, contracte le périnée, je tourne, sans monter l'épaule, sans la tirer vers l'avant non plus. Je monte le bras, j'inspire, on ouvre, on inspire. Prenez le temps, faites-le vraiment sur votre rythme respiratoire. Et quand je souffle, d'abord je contracte le périnée, je souffle, je commence dans mon traitement et ensuite seulement je viens monter le bras. Inspire et on contracte le périnée. Allez, encore 3, 2, et le dernier, je vais rester en haut, pardon, je respire, inspire, contracte le périnée, je souffle, j'essaye d'étirer un peu plus mon dos pour me grandir, inspire, et on souffle. On relâche, on remet les deux bras sur les genoux et à nouveau j'inspire, contracte le périnée, je souffle, hop, je rentre le ventre, je remonte le nombril sous les côtes. On inspire, contracte le périnée, je souffle, hop, je vais poser mes mains sur mes genoux, j'inspire et en soufflant tout doucement, je repose sur mes bras pour me redresser. Toujours dos bien fort. C'est le plus important. OK? Comme ça, on ne s'est pas fait mal au dos. OK? Allez, on va reprendre un petit peu les exercices de coordination. J'inspire en soufflant, je vais tendre une jambe. Donc, en la faisant glisser simplement. Mais par contre, j'écrase mon talon. D'accord? Vous allez être obligé d'engager vos jambes quand même. J'écrase. Moi, j'aime pas les ventres religieux. Donc, j'écrase les ventres religieux. Alors, il ne faut pas. On peut écraser les animaux, mais bon. On écrase une bestiole et on fait glisser son talon au sol. Et on tend, on tend, on tend. Et là, je me redresse au maximum. Et sur le même temps, je vais lever le bras et toujours sur le souffle, ouvrir. J'inspire, on souffle. Inspire. Bien sûr, si je ne peux pas lever très haut, je fais à mon niveau. OK? Inspire. En soufflant, je me redresse. OK, encore. Inspire. On engage. Hein. Inspire. On souffle. Encore. Deux fois. Inspire. Dernière fois. Et je reste sur le côté. Et là, sur le côté, je vais faire. Donc, ma paume de main est dirigée vers l'avant. Je vais faire des petits mouvements de haut en bas. Et là, avec la jambe, pareil. Hop, des tout petits mouvements. Donc, je décolle à peine du sol. On en fait 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on ramène. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, j'inspire en soufflant pour moi. Dans un premier temps, j'écrase mon talon au sol. Si vous voyez, j'ai le talon au sol et je vais tendre ma jambe complètement. Donc, j'engage les cuisses. Inspire en soufflant. OK? Là, je me grandis au maximum. Donc, je pousse vers l'avant ma jambe et en plus, je pousse là. Donc, mine de rien, mes fesses se sont engagées. Inspire et on rajoute le bras. Je souffle, je monte le bras et je l'ouvre. On
On inspire, on ramène tout au bercail. On s'ouvre. On va au bout du souffle. On inspire, on souffle tout, tout, tout. Inspire. Toujours par l'arrière, la gorge, l'arrière-gorge, toujours la bouche ouverte. On souffle. Inspire, on souffle. Inspire, tu souffles. Encore j'inspire et je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle une dernière fois. Je reste en ouverture. À nouveau, petit battement de jambes et de bras. J'ai toujours le dos bien étiré. J'ai toujours la même distance entre mes côtes et mon bassin. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Super, impeccable. Donc là, pour se relever, on inspire, on met les deux mains sur les genoux, je me penche légèrement en avant, inspire et en soufflant, je me déplie. Ça va? Ok. Bon, du coup, on ne se sera pas servi du tapis, la prochaine fois, on s'en servira. J'inspire, en soufflant, je vais monter mes bras. Si je peux, bien sûr, je monte les bras. J'attrape une de mes mains. Donc là, j'ai attrapé la main gauche. J'inspire, en soufflant, je vais tirer ma main gauche vers le plafond et je vais pencher légèrement. On inspire, on revient. On attrape l'autre main, en soufflant, je tire mon bras vers le haut et je me penche légèrement sur le côté. J'inspire, je reviens, je garde mes deux bras au plafond. En soufflant, je vais tirer ma main qui est restée au plafond et je descends l'autre. Je la regarde. Si j'ai pas mal au cervical, je reste la tête en avant. J'inspire, en soufflant, je remonte le bras. Je souffle, hop. J'étire celle-là. Vous voyez, au début elle était là, maintenant elle est là. Je souffle, j'inspire. Et en soufflant, je redescends mes deux bras. J'inspire, en soufflant. J'inspire en haut, je souffle en redescendant. Dernière fois, j'inspire, en soufflant, je monte mes bras. J'inspire en haut et je vais relâcher mes bras. Prêt? Soufflez. Voilà, et on relâche que les bras. On ne relâche pas tout, on ne relâche pas le dos. Et on relâche. Allez, on remet un petit peu de chaleur, de mouvement dans les membres. Donc, je secoue les mains, je secoue les coudes, je secoue les épaules. D'accord? Et si vous voulez, vous pouvez même rajouter la secoue des jambes. On secoue tout. Normalement, vous allez sentir la circulation sanguine qui se remet. Et on relâche. Ok. N'oubliez pas de vous hydrater. Je ne sais pas comment il fait, donc je vous dirais bien de profiter du temps, mais c'est un peu nuageux aujourd'hui, mais bon, on peut sortir, donc n'hésitez pas à sortir vous promener. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve demain pour le Pilates. Et il me semble que s'il fait beau, la salle de bière se fait en extérieur. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Si on se revoit, je vous souhaite un très bon week-end aussi. Et n'hésitez pas à mettre le nez dehors dès que vous pouvez. Sachant qu'en ce moment, en plus, il y a les petits travaux de jardinage qui commencent à arriver. Donc n'hésitez pas. Faites attention à vous. Par contre, toujours, on essaye dans l'effort de contracter le périnée, de souffler si vous devez bêcher, par exemple. J'inspire, on contracte le périnée. OK? On essaye de se tirer au maximum, mais voilà. C'est pour les leçons d'ordinage. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Bisous.